Donc, je viens tout juste de recevoir ma commande Kickstarter. Donc, dans cette commande-là, il y avait des boîtes d'extensions qui existaient déjà, qui avaient été offertes en print and play dans les années 2010. Et puis donc, on va déballer la première boîte qui s'appelle Danse Macabre. À l'intérieur de Danse Macabre, on commence avec des vampires, donc les Assamites, qui est un clan qui, techniquement, n'existe plus sous ce nom-là. Ça s'appelle les Banu Hakim maintenant. Mais dans le temps que l'extension avait été produite en PDF, c'était encore les Assamites qui existaient. Donc, c'est la raison pour laquelle on va voir des clans comme les Assamites, qui sont des anciens clans en réalité. Donc, ici, on a Karif al-Numer. On l'a dans deux exemplaires. Dark Selena. Gold Pandan. Donc, c'est possible que vous reconnaissiez des vampires qui avaient déjà été distribués dans les cartes promo du tournoi de Berlin, l'anthologie de Berlin. Alex Camille. Deux exemplaires encore. Mimir. Synergy. Balair Shadow of Granada. Il y a aussi des cartes qui ont été mises dans les boîtes de decks préconstruits. Comme Caroline Valais, je sais que dans les boîtes de préconstruits de La Sombra qui est sortie dernièrement. Donc, deux Carolina. Claudia. Drozodny. Pearl. Skulk. Strowman. Amber. Mélusine d'Anjou. Gerald Fitzgerald. Ça. Johannes Waringen. Ludmira Rakowski. Righteous Endeavor. Xyptotech. Emery Mitwin. Desad. Et là, c'est ce qui met fin aux cartes de librairie maintenant. Cartes de crypte. On va aller dans les cartes de librairie maintenant. Donc, ce sont des dual cards. Donc, ça prend les deux disciplines pour pouvoir les jouer. Donc, ici, Optimization et Potence. Dark Steel. Quatre exemplaires de Dark Steel. Esprit de corps. Potence, présence. 3. Inside Dirt. Qui demande Nosferatu anti-tribut. 4. Instantaneous Transformation. CRT Protein. 4. Mark Territory. Public Vilification. Recruitment Exercise. Shadowboxing qui demande Obfuscate puis Potence. Shakar the Hunt. Show of Force. Belle carte, je m'étais fait un deck avec ça, très utile. Donc, Show of Force. 4 Show of Force. Spoils of War.
4 aussi. Et finalement, Under Siege. Super belle carte. Et voilà, c'est ce qui met fin au déballement de Danse Macabre.